Ou peut-être même bonsoir. Donc bienvenue à ce premier webinaire de présentation des diplômes de français professionnel, nouvelle mouture. Hein. Donc, vous êtes. Alors, c'est notre premier webinaire, donc on va peut-être un peu hésiter. J'espère que vous serez indulgents. Vous êtes 59 personnes, 59 centres agréés inscrits à ce webinaire aujourd'hui. Et donc, on est ravis de ce premier échange. Je vais d'abord me présenter. Je suis Alexandre Hall, responsable de l'innovation pédagogique et des partenariats au Centre de langue française. Et je suis accompagné aujourd'hui de François Renaud. Bonjour à toutes et à tous. Je peux te présenter. Oui, François, je suis responsable pédagogique au Centre de langue française. Et j'ai travaillé spécifiquement depuis quelques temps sur cette nouvelle formule des diplômes de français professionnel à faire. Exactement, la refonte des diplômes français professionnels, on la présente aujourd'hui, mais c'est un travail qui a été initié il y a 2 ans, tout d'abord, dans la réflexion, pourquoi changer, avoir pu analyser, réunir les personnes, analyser bien évidemment les résultats des anciens diplômes, ce que l'on voulait changer, aller à la rencontre des entreprises, pour pouvoir élaborer les nouvelles spécifications du diplôme. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui au niveau de cette présentation. Donc, on va vous présenter très rapidement. On va essayer d'aller assez vite pour pouvoir avoir un maximum d'échanges avec vous. Donc, tout d'abord, vous présenter les grandes orientations, vous donner quelques exemples, hein, illustrer ces orientations avec des extraits des diplômes, des nouveaux diplômes de français professionnel. Vous présenter également les outils qui soit sont déjà à votre disposition ou que nous mettrons à disposition pour en 2017 des enseignants, des examinateurs et des candidats, des diplômes de français professionnel. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions. Donc, je suppose qu'elles seront nombreuses parce que vous êtes nombreux. Donc, ce que nous vous proposons, c'est de les collecter via le chat. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat. Nous les collecterons et nous créerons une foire aux questions pour pouvoir répondre à toutes vos questions ultérieurement. Donc, je vais tout d'abord vous montrer voilà la première partie. Donc, bien évidemment, l'objectif des diplômes, il ne change pas. Hein. Il est toujours celui que nous avons eu de cette version, c'est de continuer à certifier la capacité à communiquer en français dans des situations professionnelles, dans son domaine. Donc là, on est dans le domaine des affaires, mais j'ai envie de vous dire le domaine des affaires très large. On est dans le français de l'entreprise, hein, le français des professions, le français de l'entreprise. Donc, pour ces nouveaux diplômes, nous avons retenu les situations professionnelles fréquentes, transversales à différents services et fonctions. Donc, ce sont les tâches de communication que l'on va rencontrer qui sont identiques,
que l'on va rencontrer dans un service de ressources humaines, à ressources finances, à ressources communication, un service communication, un service marketing. Nous évaluons avec ces diplômes la capacité à communiquer en français et à interagir avec les principaux interlocuteurs de l'entreprise. Donc, nous avons retenu le client, bien évidemment, le supérieur hiérarchique, le fournisseur et le collègue de travail. Donc, quel est le principe pédagogique de la refonte? Donc, nous avons retenu le « je comprends pour agir ». Pourquoi ce principe? Car nous souhaitions aller plus loin dans l'évaluation de la compétence. Nous évaluons beaucoup, entre nous, hein, ce qu'on a indiqué François, c'est que nous évaluons surtout le « je lis » et « je comprends ce que je lis », j'écoute et je comprends ce que j'écoute. Mais nous voulions aller plus loin dans l'évaluation. C'est-à-dire, oui, le candidat comprend le texte dans le global et dans le détail, il comprend la compréhension orale, mais pourquoi faire? Pour réaliser quelle tâche professionnelle? Donc, nous proposons, avec ces nouveaux diplômes, ces nouvelles versions, des activités qui vont permettre au candidat de prouver son aptitude à réaliser quelque chose. Nous vous montrerons des détails. Donc, pour chaque diplôme, il y a à présent deux types d'épreuves. Une épreuve intitulée Comprendre et traiter l'information, ou en ligne, hein, bien sûr, ce sont des activités en ligne, on reviendra là-dessus par la suite. En ligne, le candidat reçoit des stimuli écrits, des stimuli à l'oral également, pour produire un document de sortie, pour renseigner des formulaires, pour rédiger des mails, etc., etc. Donc, nous sommes, ça c'est la première épreuve, et la deuxième épreuve qui est interagir à l'oral. Nous verrons plus tard que c'est une épreuve qui se fait avec un examinateur, mais nous avons des solutions également techniques pour dématérialiser tous les papiers de la session. Donc, nous avons opté pour un format électronique pour comprendre et traiter l'information, un format 100% électronique. Pourquoi? Car il nous permettait d'avoir plus de variété dans les activités que le format texte à trous, papier crayon, le format texte QCM. Ça nous permettait également de nous rapprocher des situations professionnelles de l'entreprise que l'on rencontre dans l'entreprise à l'heure actuelle, et puis des outils utilisés par les professionnels. Donc certes, il y a le mail, mais il y a aussi le Google Agenda et d'autres exemples que nous montrerons par la suite. Et donc voilà, nous avons axé à nouveau sur l'authenticité professionnelle. Cette authenticité, vous allez les retrouver dans les documents supports qui ont été collectés dans l'entreprise. Nous avons effectué en amont de la refonte des diplômes un très gros travail de collecte dans les entreprises françaises et francophones pour repérer le type de situations professionnelles les plus transversales, les plus récurrentes, mais également pour collecter des documents authentiques. Les documents qui sont utilisés de nos jours dans les entreprises. Nous voilà de retour. Merci d'avoir patienté. Donc, comme je le disais, nous avons constitué tout d'abord un comité de validation de ces diplômes, de ces nouveaux diplômes. Ce comité était constitué de membres du comité scientifique FOSS du Centre de langue française, ce qui nous semblait important de faire valider scientifiquement notre démarche. Puis, nous avons constitué un comité avec des experts référents du monde de l'entreprise. C'était aussi important. Nous avions des consultants en entreprise qui, à la relecture des prototypes, nous disaient si les situations professionnelles que nous avions sélectionnées correspondaient bien aux réalités de l'entreprise d'aujourd'hui et que les textes et les supports également correspondaient à la réalité des professionnels. Nous avons également associé à ce comité de validation des experts pédagogiques, des experts du terrain. Ensuite, nous avons également pris en compte, donc, des nouveautés, tout ce qui se faisait d'un point de vue didactique et pédagogique en français professionnel, mais également veiller à la faisabilité de ces diplômes pour une plus grande simplicité d'organisation dans vos centres agréés. Donc, quels sont les grands principes qui ont été retenus? Des épreuves sur ordinateur et des outils numériques associés que nous représenterons, le portail ou l'application Passeport pour une passation une dématérialisation d'épreuves d'interaction orale sur une tablette, la conception centralisée des sujets. Le Centre de langue française concevra l'intégralité des sujets, y compris les sujets d'interaction orale, à partir des prochaines sessions.
Nous avons également harmonisé les durées et les modalités de passation. Nous vous le présenterons tout de suite après. Et enfin, des derniers principes, c'est bien sûr notre expérimentation. Nous avons expérimenté ce diplôme auprès d'un panel avec les deux grands publics types hein, des diplômes de français professionnel, qui est constitué d'étudiants. Donc, nous avons associé des centres agréés, donc des facultés d'économie, des écoles de commerce, des étudiants de cours de français professionnel et de français des affaires dans nos centres agréés. Mais nous avons également associé des personnes qui apprennent le français professionnel en formation continue. Donc des professionnels, des jeunes professionnels qui apprennent le français dans leur entreprise, quelle que soit leur fonction et leur service. Donc nous avons vraiment pu l'expérimenter auprès d'un panel très représentatif des candidats des diplômes de français professionnel. Pour la suite, pour rentrer un peu plus dans le détail, je vais laisser la parole à François. Eh bien, merci Alexandre. Oui, cette diapositive vous présente l'ensemble du dispositif des diplômes de français professionnel à faire, qui vont donc d'un niveau A1 jusqu'à un niveau C1, donc 5 diplômes qui sont structurés de la même manière. Comme vous le disiez tout à l'heure, Alexandre, nous avons une première partie, comprendre et traiter l'information, qui comporte un certain nombre d'activités, 7 à 8 activités pour les niveaux A1, A2 et B1, et 3 activités pour les niveaux B2 et C1, auxquelles s'ajoutent à chaque fois 2 activités pour la partie interagir à l'oral. Une première activité qui est vraiment dans l'interaction avec un interlocuteur, et une seconde activité interagir à l'oral qui est plus dans la présentation devant un auditoire. On a une relative harmonie dans les durées des épreuves, puisque A1, A2 durent 1 heure chacun, B2, C1 durent 2h30 chacun, avec le niveau à faire B1 qui dure 1h15 au total. Si on rentre un peu plus avant dans la description des différentes activités qui composent un diplôme, je vous donne l'exemple ici du diplôme de français professionnel à faire B1. Vous voyez que pour la partie comprendre et traiter l'information, on a 4 moments distincts. Les activités qui portent sur la compréhension et le traitement d'informations écrites, où il s'agira par exemple de lire et commenter des graphiques, des données chiffrées, où il s'agira d'analyser des commentaires issus de questionnaires de satisfaction, ou bien de comprendre les instructions d'un responsable afin de pouvoir réserver un stand dans un salon, par exemple, à travers des formulaires de réservation, ce genre de choses. Nous avons ensuite une seconde partie et des activités qui portent sur le traitement de l'information orale, donc à partir le plus souvent de messages laissés sur un répondeur, par exemple, ou à partir de documents qu'on peut recueillir à l'occasion d'une conférence, à l'occasion d'une table ronde, où on va donc devoir organiser ces notes que l'on a prises au cours d'une présentation, d'une conférence, où on va transformer l'information pour la transmettre à un collègue ou à un supérieur hiérarchique, où on va éventuellement également avoir à rédiger un texte qui permet de synthétiser l'information orale, ajouter éventuellement des instructions complémentaires ou des informations complémentaires pour produire une réponse qui soit structurée et complète en termes de contenu. Et enfin, on a une dernière partie, interagir à l'écrit, où il s'agit toujours de produire un texte dans un format prédéfini, type courrier électronique par exemple, à partir de données d'un contexte et d'informations données à l'amont. Pour la partie interagir à l'oral, comme je vous le disais tout à l'heure, on aura une partie qui est vraiment dans l'interaction et une autre qui est plus dans la présentation d'informations à un public spécifique. Alors, je vais vous présenter quelques exemples, quelques extraits des diplômes de français professionnel. Par exemple, ici, dans notre DFP, diplôme de français professionnel A1, on a, comme à chaque fois, une première partie
où on demande aux candidats de prendre connaissance d'un contexte, d'une situation et de documents support écrits ou oraux, en l'occurrence ici écrits, des informations, des données d'entrée, si vous voulez. Et le candidat doit réaliser une tâche en comprenant ces informations, en les traitant, en sélectionnant l'information pertinente pour pouvoir réaliser une tâche de communication professionnelle, ce qui apparaît ici en deuxième point, à l'aide ou en s'appuyant sur un document support qui est parmi ceux qu'on rencontre dans le contexte professionnel. Ici, en l'occurrence, un agenda tel que ceux qu'on utilise chaque jour, où il faudra pour le candidat placer dans son agenda les différents rendez-vous dont il a pu prendre note par ailleurs. Autre exemple ici où on a un document audio au support. Donc on entend, on a donc une situation, vous travaillez dans l'entreprise, votre responsable est en mission, il vous a demandé d'écouter ses messages et de lui en transmettre les éléments importants. Donc le candidat ici va entendre chacun des messages sur répondeur et on va lui demander de rédiger un courrier électronique dans lequel il reprend les informations pertinentes issues des messages. Alors, avec ici une typologie d'exercice de type menu déroulant où le candidat doit sélectionner la formulation exacte par rapport à une série de propositions qui viennent compléter le courrier électronique qui est partiellement rédigé à l'avance. Troisième exemple d'activité où on a, ça c'est pour les niveaux B2 et C1, où on demande au candidat d'être capable de synthétiser l'information et de la transcrire de manière efficace à partir d'un dossier documentaire, ici donc un exemple du niveau B2, à partir d'un dossier documentaire écrit qui répond à une situation, à un mini-cas si vous voulez, le candidat doit formuler sous forme de liste de points les éléments essentiels qui permettent de répondre à la problématique donnée, en l'occurrence ici, la question du télétravail pour cette entreprise québécoise. Pour la partie interagir à l'oral, un premier exemple vous est donné ici, toujours avec une situation de départ et des documents, en l'occurrence ici, deux CV de candidats retenus par le service pour un poste donné. Le candidat doit sélectionner le meilleur des deux CV et argumenter auprès d'un responsable son choix. Le responsable, bien sûr, l'examinateur, a de son côté un certain nombre d'éléments, de contre-arguments disponibles pour faire parler le candidat et le pousser un peu dans ses retranchements, lui permettre de donner le meilleur de lui-même. Deuxième exemple, pour la partie interagir à l'oral, cette fois-ci en présentation, et bien dans une situation d'accueil délégation francophone dans l'entreprise, le candidat va devoir présenter un bilan chiffré, un bilan de l'entreprise à cette délégation, dans une intervention brève qui doit être structurée et pour laquelle le candidat a un petit temps de préparation. Donc voilà pour quelques exemples qui illustrent les différentes activités qu'on propose pour chacune des grandes parties des diplômes de français professionnel. Toujours sur la partie interagir à l'oral, le centre agréé a un rôle éminent à jouer, bien sûr, non seulement pour l'organisation des passations, mais également pour l'évaluation des candidats, puisque dans le centre agréé, pardon, on aura un examinateur qui accueille, qui anime l'échange et qui évalue le candidat avec une grille d'évaluation. Alors nous avons choisi d'avoir une grille pour l'ensemble des diplômes de français professionnel. Elle s'organise de la manière suivante. On a une partie réalisation de la tâche et une partie maîtrise des outils linguistiques. On retrouvera ce même découpage pour l'évaluation des épreuves écrites. L'évaluation des épreuves écrites se faisant ici au centre de langue française. Pour la partie interagir à l'oral, pour la réalisation de la tâche comme pour la maîtrise des outils linguistiques, nous avons trois niveaux de performance distincts.
un niveau insuffisant, c'est-à-dire que la tâche n'est pas réalisée ou est réalisée de manière trop insuffisante pour être acceptable, un niveau médian suffisant et un niveau supérieur dans lequel la réalisation de la tâche est complète. Pour la réalisation de la tâche, trois critères. L'attitude professionnelle, la posture, la maîtrise des différents facteurs qui permettent d'interagir ou de présenter les choses d'une façon professionnelle. La partie organisation du discours, en termes de structuration, en termes de respect des différentes étapes attendues, également en termes d'organisation interne du texte, qu'il soit oral ou écrit, en l'occurrence ici oral, et bien entendu, une partie très importante, transmission des informations. Est-ce que les informations essentielles pour réaliser la tâche sont transmises? Est-ce que les informations complémentaires, illustrantes, les informations enrichissantes pour la réalisation de la tâche sont également incluses, ce qui permettrait d'atteindre un niveau de réalisation de la tâche qui soit complet. Pour la partie maîtrise des outils linguistiques, toujours trois niveaux de performance et qui sont indexés sur la compréhension qu'on a des critères de lexique et de syntaxe ou des critères d'élocution telle qu'elle est présentée dans le cadre européen commun de référence pour les langues, essentiellement. Il s'agit là de savoir si le niveau de performance du candidat sur les aspects linguistiques est inférieur au niveau visé, par exemple le B1, il correspond au niveau visé ou il correspond pleinement au niveau visé, c'est-à-dire que le candidat donne toute la mesure et montre la maîtrise complète de ce qu'il est attendu de lui pour un niveau B1, par exemple. Donc pour résumer cette nouvelle formule des diplômes de français professionnel à faire, on pourrait dire que ce qui change, c'est cette approche je comprends pour agir, donc cette approche actionnelle d'évaluation par la tâche à travers des activités dans lesquelles le candidat doit traiter de l'information pour produire des documents dans un format professionnel, donc ce dont vous parlez Alexandre tout à l'heure. Également, une nouveauté, c'est la création d'un niveau A1 en diplôme de français professionnel à faire. Alors, c'est quelque chose dont nous avons senti le besoin, tel que ça nous remontait du terrain. C'est quelque chose auquel on croit, au sens où on pense qu'il y a effectivement de la communication professionnelle possible avec un niveau de compétence A1. Il s'agira bien sûr de situations de communication très courante, très transversale, on pourrait dire relativement basique. Néanmoins, ça correspond à un besoin également de validation, de certification pour des candidats qui ont suivi un parcours de débutant, par exemple. Ce qui change également dans cette nouvelle formule, c'est le format électronique, qui nous permet donc, comme disait tout à l'heure Alexandre, d'avoir une plus grande authenticité dans les outils d'évaluation eux-mêmes par rapport aux situations professionnelles qu'elles visent. Et puis ça donne également pour les centres agréés, dans l'organisation en amont, dans le traitement en aval des informations et des évaluations, plus de souplesse et plus de rapidité. Et pour les épreuves interagir à l'oral, ce qui change, c'est que nous avons désormais un seul examinateur pour ces épreuves, qui donc accueille, anime et évalue le candidat. Nous avons, comme disait Alexandre, des sujets conçus ici au Centre de langue française et également la nécessité d'enregistrer les entretiens pour assurer au niveau du Centre de langue française une seconde correction ou une évaluation de contrôle qui permette d'apporter des résultats les plus précis possibles aux candidats. Pour la partie format électronique, donc une certaine la dématérialisation des différents outils de ce diplôme, c'est donc tout ce qui se passe au niveau du poste informatique pour la partie comprendre et traiter l'information. Les épreuves interagir, l'oral continuer à se passer
en face à face avec un examinateur dans une salle d'examination. Mais pour la partie comprendre et traiter l'information, y compris la partie production écrite, le candidat va utiliser son ordinateur, utiliser son clavier pour saisir le texte qu'il souhaite produire. Le format électronique, ça permet également de mettre en place des outils logistiques de préparation et de traitement, tels que le portail pour les centres agréés. Alors, les centres agréés qui organisent des sessions ITEF connaissent bien ce portail et les mêmes principes, les mêmes types de documents, les mêmes types de procédures sont repris pour l'organisation des diplômes de français professionnel. Les centres agréés ITEF utilisent également l'application Passeport pour certains d'entre eux. C'est une application sur tablette qui permet d'enregistrer le candidat, qui permet de le faire signer, qui permet de l'évaluer sur une grille électronique et de transmettre ces informations au portail de manière automatique. L'utilisation de l'application Passeport n'est pas nécessaire à l'heure actuelle, n'est pas obligatoire. On peut continuer d'utiliser des grilles d'évaluation papier-crayon. Ça demande alors au centre agréé de téléverser les enregistrements faits par ailleurs, de saisir les évaluations de l'examinateur dans le portail après la session. Enfin, la dématérialisation, elle concerne également le diplôme lui-même, le document diplôme lui-même, puisqu'il s'agira d'un diplôme électronique que le candidat pourra aller chercher dans un coffre-fort numérique dont il aura la clé et qu'il pourra présenter au besoin à un employeur, à une université, à toute personne auprès de laquelle il souhaite faire valoir et montrer son diplôme de français professionnel. Alors, en termes d'outillage pour les formateurs, les formateurs disposent dès à présent d'une description détaillée des diplômes A1 à C1 et pour chacun des diplômes d'un descriptif détaillé des différentes activités qui les composent en termes de typologie de documents support, en termes de typologie de documents de sortie, de documents support à la production du candidat. Les formateurs disposent également pour chacun des diplômes de français professionnel d'une suggestion de contenu de formation, c'est-à-dire les différents points, les différents savoir-faire langagiers qui sont visés par ce diplôme et qui peuvent ou doivent faire l'objet d'une préparation en cours. Le formateur qui peut être éventuellement examinateur dispose également bien sûr d'un guide dans lequel on présente les différents types d'activités, les différents sujets, et on donne des pistes pour l'animation des épreuves. On présente également, bien entendu, en détail la grille d'évaluation et les modalités d'évaluation nécessaires à mettre en œuvre. Et à brève échéance, et tout au long de l'année 2007, on va mettre en ligne des outils de formation des examinateurs, à l'instar de ce qui se fait déjà pour le TEF, mais adapté bien sûr au diplôme de français professionnel. Alors peut-être François, j'en profite pour répondre oui. Déjà à quelques questions. C'est en lien avec cette diapositive. Donc des jeux témoins seront-ils disponibles? Donc non, en tout cas pas sur le format que vous connaissiez, pas sur le format papier. Nous allons mettre en place progressivement. Donc bon, déjà vous recevez la structure détaillée des diplômes, ça existe déjà. Un descriptif détaillé de chaque activité, de chaque diplôme, avec les documents d'entrée, les documents de sortie qui seront utilisés, ça c'est déjà accessible, hein. Vous avez déjà cette information. Et à terme, au premier semestre 2017, nous mettrons progressivement en ligne dès janvier une présentation, il me semble, PowerPoint avec un déroulé des activités. Oui, qui permettra notamment aux candidats de se familiariser avec les différentes modalités de passation, la manipulation de l'outil informatique en cours d'épreuve. Ensuite, au niveau de la... Il y avait une question sur les manuels. Si nous pouvions recommander un manuel pour l'enseignement, pour la formation,
Bon, je dirais que c'est toujours une question un peu complexe, hein. On ne peut pas vous recommander forcément une méthode plus qu'une autre. Moi, je dirais que tout manuel de français professionnel qui propose une palette assez large, en formation initiale en tout cas, une palette assez large de situations professionnelles et qui propose beaucoup d'activités de réemploi peut fonctionner. Après, on sait très bien qu'en français professionnel, une méthode standard ne correspondra peut-être jamais à votre public et à vos besoins de formation, et qu'il faudra toujours les compléter un maximum avec des activités qui correspondent aux futurs besoins de vos étudiants. Alors, il existe déjà sur notre site des bibliographies, des sitographies indicatives. Elles ne sont qu'indicatives, elles concernent essentiellement ce qui est publié dans l'environnement francophone, voire français. Donc, ça ne prétend pas être exhaustif, mais ce sont des pistes et ce sont des documents qui nous semblent intéressants, des ouvrages, des méthodes qui peuvent être des ressources intéressantes, sachant que nous envisageons quand même la préparation au DFP comme quelque chose qui requiert de la part du formateur la création de documents, la création de supports. Et c'est pour cette raison qu'on a proposé le descriptif détaillé des activités, l'objectif étant de permettre au formateur de créer lui-même des situations, des activités d'exploitation de documents qui soient les plus proches possibles de celles auxquelles le candidat sera confronté lorsqu'il passera les épreuves en ligne. Ensuite, une question, je te laisserai la deux peut-être, si tu peux. Mais en tout cas, si vous avez accès à la grille d'évaluation, vous me demandez si vous avez accès à la grille d'évaluation. Oui, dans le guide de l'examinateur, bien évidemment, il y aura toute une explication du mode d'évaluation et du fonctionnement de la grille. Et ce sera également décliné dans les formations en ligne qui seront créées à partir de l'an prochain. Donc, on posait une question ici sur le diplôme de français professionnel de niveau C1. Les différentes activités, les trois activités qui sont proposées par la partie comprendre et traiter l'information. L'activité qui existait jusqu'à présent dans laquelle le candidat faisait des recherches préalables pour présenter un sujet qui corresponde à son contexte d'intervention. N'est plus proposé. En fait, on a dû faire un choix et ce choix est forcément un compromis, discutable, on a dû arbitrer, entre quelque chose qui soit très très proche des situations locales, en Argentine, en Ukraine, en Scandinavie ou en Asie du Sud-Est. Et des modalités d'évaluation qui soient standardisées et qui évaluent de la même manière les candidats argentins, ukrainiens, scandinaves ou d'Asie du Sud-Est. Donc, ce que l'on perd en contextualisation, on le gagne en standardisation. Et rien n'empêche, et je crois au contraire, rien n'empêche le formateur, l'institution de formation, de continuer à bien contextualiser les éléments qu'ils apportent aux apprenants pour qu'ils soient prêts à intervenir sur leur champ d'action locale. Les situations de communication, les savoir-faire langagiers qu'on évalue dans le cadre du DFP, elles sont contextualisées, mais cette contextualisation ne doit pas empêcher, en tout cas c'est ce à quoi nous nous sommes efforcés, elle ne doit pas empêcher un candidat d'agir efficacement, même s'il n'est pas familier avec le contexte présenté. Par exemple, s'il s'agit d'une société québécoise qui est en jeu dans l'activité. Nous avons essayé de faire en sorte que cela ne requiert pas du candidat pour être capable de répondre efficacement et complètement. Ça ne suppose pas qu'il connaisse pertinemment la situation économique ou sociale du Québec pour réaliser l'activité. Celle-ci.
fois 2. Quelqu'un nous indique qu'en effet, au niveau C1, qu'en règle générale, il lui semblait que le public visé était plus large. Avec l'ancienne formule, où on pouvait viser des comptables, des banquiers, des avocats d'affaires, économistes, et maintenant c'est plus restreint, plus axé sur commerciaux marketing. Je n'ai vraiment pas l'impression, parce qu'au contraire, je pense que dans nos spécifications, on a fait en sorte de repérer les situations professionnelles transversales aux différents services. Donc on a beaucoup plus ouvert, je pense, les situations professionnelles à toutes les professions dont vous nous parlez, hein. C'est loin d'être axé principalement sur le commercial et sur le marketing. Il y a une dimension commerciale marketing dans l'aspect négociation de vente, par exemple. Il y a une dimension communiquée sur l'activité, présenter en détail l'activité d'une entreprise, présenter des chiffres et les commenter. On a également un aspect relation client, mais pas seulement ou pas uniquement. Sur l'aspect commercial, mais également sur l'aspect peut-être plus politique ou stratégique. On a des éléments propres aux situations de recrutement. Et enfin, on a tout un ensemble qui vise un discours de conviction, argumenté pour convaincre. Et ça, c'est valable que ce soit pour convaincre un client d'acheter tel produit ou pour convaincre un partenaire de s'embarquer dans un projet avec nous. Ou bien convaincre un partenaire, je pense une banque par exemple, de nous suivre sur de nouvelles stratégies. Elles ont été testées. L'expérimentation, de toute façon, a été faite auprès de professionnels, justement, avec des profils assez différents. Oui, ce qui nous importe, c'est de tester la capacité à réaliser des savoir-faire langagiers, qui sont ceux qu'on rencontre dans les situations de communication professionnelle. Et on a essayé de faire en sorte que ça ne requiert pas de connaissances métiers particulières. Disons que si on n'est pas financier pour un sou, c'est le cas de le dire, ça ne l'empêche pas de maîtriser les outils de lecture et de commentaires de données chiffrées, par exemple, sachant que si un chiffre particulier renvoie à une situation financière particulière, cet élément sera explicité pour le candidat dans son propre sujet. On lui donnera des pistes d'explication qui lui permettent de formuler un commentaire, même si, je dirais à l'extrême, il ne comprenait pas forcément les implications, toutes les implications de ce que ce chiffre peut signifier. En tout cas, il est capable de dire, d'expliquer pourquoi tel chiffre est particulièrement bas ou particulièrement élevé. L'explicité. Avant de poursuivre sur les questions, je voudrais juste terminer sur les outils qui ont été créés ou qui seront créés pour les candidats. Donc, en effet, pour se préparer au diplôme de français professionnel. Donc, le candidat recevra un guide, hein, le guide du candidat, où on lui présentera les épreuves et le déroulement des épreuves pour prendre à tête l'information et interagir à l'oral, où on lui donnera le règlement des épreuves, bien évidemment. Et à venir, en 2017, nous créerons des tutoriels en ligne qui seront disponibles normalement sur notre site, hein, des tutoriels en ligne pour se familiariser au format des épreuves, au format électronique des épreuves et au format des épreuves cours sur notre site et les candidats pourront également s'entraîner sur l'application mobile français 3.0. Ensuite, au niveau je crois qu'on a dit à peu près, donc on peut répondre encore à quelques questions, mais toujours dans les temps. Les résultats de l'écrit sont-ils visibles après l'examen? Non, car l'épreuve écrite devant être réalisée, étant réalisée en ligne, il nous faut laisser le temps d'évaluer cette copie pour pouvoir afficher les résultats. Alors ensuite, ici, je regarde ce sur quoi nos ordinateurs n'ont pas de clavier français. Que faire avec les accents? Ah oui,
J'ai oublié de me préciser tout à l'heure dans la présentation de l'outil. Pour la partie comprendre et traiter l'information, nous avons introduit sur chaque écran une petite palette de caractères avec donc les caractères accentués, les CCDI caractéristiques de la langue française, qui permettent au candidat donc de d'écrire avec accent, avec CCDI, lorsqu'il saisit son texte avec son clavier, qu'il soit QWERTY ou AZERTY. Il est également possible, dans le centre agréé, de paramétrer chaque poste informatique pour faire en sorte que le clavier qu'utilise le candidat corresponde à celui qu'il a l'habitude d'utiliser au quotidien. Je regarde sur les. Alors, quelle formation pour les formateurs? Ben, comment l'indiquer? Alors, tout dépend si vous souhaitez des formations pour la préparation des programmes, des cours, ou pour l'évaluation d'interagir à l'oral. Nous mettrons en ligne une formation des examinateurs. Ensuite, la formation pour les formateurs, c'est les formations en français des affaires, français professionnel. Ou peut-être pour les formateurs, les formations à présent mettront encore plus l'accent sur les comment dire, sur la capacité à structurer le cours et à créer du réemploi, plus de réemploi dans les cours. Comme vous l'avez bien compris, on axe quand même plus, en tout cas dans l'évaluation, dans le cours, ça doit toujours être présent. Les contenus de cours, hein, de français des affaires ne changent pas énormément. Toutefois, avant, nous évaluons vraiment la capacité de compréhension globale et détaillée des documents, alors que là, on évalue la capacité à réemployer la langue pour faire quelque chose. Donc, certainement, au niveau du cours, il va falloir accentuer la partie réemploi. Donc, ce que nous allons faire, nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions. On nous en a transmises que quelques-unes. Donc, nous allons faire en sorte de créer une foire aux questions pour pouvoir vous les envoyer assez rapidement. N'hésitez pas surtout à poser, oui, on me dit, à poser d'autres questions également par mail. Vous avez ici l'adresse électronique, franquet@cci-paris-idf.fr. Envoyez-nous le maximum de questions et nous tâcherons d'y répondre très rapidement. Encore merci beaucoup pour votre présence, pour le temps passé à ce premier webinaire et à très bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir.